Ce plant de maïs est un rescapé. Dans cette parcelle, Nicolas Le Goff, agriculteur à Plouhinec, dans le Cap-Cisin, constate les dégâts. Ici, sur cette parcelle, elle a été détruite à environ 80%. C'est une parcelle de 6 hectares où les grains ont été mangés avec les choucas. Le chouca, c'est ce corvidé de couleur sombre. Il se nourrit des graines et se plaît beaucoup dans le Finistère. Une présence coûteuse pour les agriculteurs. On a environ à peu près 500 euros l'hectare de perte. Les destructions dues au chouca s'élèveraient à près d'1 million d'euros en 2019 pour l'agriculture du Finistère. L'effet des systèmes d'effarouchement se révèle assez limité et le nombre de choucas progresse. Il a presque triplé dans le département depuis 2017. La FDSEA veut intensifier sa chasse. Nous, ce que nous demandons, jeunes agriculteurs et FDSA du Finistère, c'est donc que son statut puisse être au moins dans nos départements modifié de façon à ce qu'il y ait un réel plan de gestion de l'espèce, donc pour éviter son développement exponentiel. Un arrêté préfectoral prévoit d'abattre 12 000 individus d'ici la fin de l'année dans le Finistère, 8 000 dans les Côtes d'Armor. Un constat d'échec pour les associations de l'environnement. Ben, disons qu'on voit que ça fait quand même 10 ans qu'il y a des dérogations de fait par rapport à cette espèce protégée. Et ça n'a pas empêché la prolifération d'augmenter. Il faut maintenant vraiment rechercher les raisons profondes de l'évolution de cette espèce. L'État et l'Adréal viennent de lancer une grande étude qui doit durer 3 ans pour mieux connaître les mœurs du chouca et lutter au mieux contre sa présence destructrice.